Bonjour à toi, chers spectateurs. Le seul et unique Ivan, ou the one and only Ivan de Fear Sherrock, c'est une production Disney Plus qui m'intriguait parce que le casting était fou furieux. Parce que sinon, je dois avouer que l'histoire semblait être le truc le plus convenu possible. Mais en même temps, on est chez Disney, donc je me disais, finalement, c'est classique. Mais voilà, je préférais me laisser porter par le casting pour voir ce que ça pouvait donner, en sachant que ça pouvait être un long métrage très attachant, comme très cucu. Le résumé pour faire simple, Ivan le gorille est la star d'un petit numéro de cirque organisé chaque jour dans un centre commercial au cœur des États-Unis. Mais alors qu'une jeune éléphanto débarque dans la troupe, son désir de liberté va refaire surface. Je me rangerai plus dans la partie j'ai trouvé ça attachant que dans la partie j'ai trouvé ça cucu. Même si pour autant, je comprendrais les gens qui trouveraient ça cucu. Parce qu'on est sur le film Disney le plus plat du monde en termes de création. C'est une œuvre dont il ne ressort que la sensation d'y avoir plein d'émotions, mais où, hormis le scénariste, pas grand monde s'est éclaté sur son métrage. C'est assez bizarre en fait. On est devant typiquement le cas classique du film Disney qui se veut le plus consensuel du monde, qui cherche à aborder une thématique qui est dans l'air du temps, qui cherche à la mettre en valeur de la bonne manière, mais du coup on se retrouve avec une réalisatrice qui met en scène le film de la manière la plus simple du monde, et avec un scénariste qui réussit à faire son boulot mais pas à briller complètement, et un casting qui est plaisant, mais où il n'y a pas forcément beaucoup de prestations qui ressortent. Bon, le doublage, on en parlera, c'est à part pour moi, mais les vrais acteurs, je pense par exemple à Bryan Cranston ou ceux qui l'accompagnent, on a l'impression qu'ils sont là juste pour cachetonner et qu'ils ne donnent pas grand-chose ou pas le petit truc en plus qui devrait faire que leur prestation ressortirait. Et c'est ce problème que je situe devant ce film, c'est que j'ai pas passé un mauvais moment, je me suis même plutôt laissé emporter par cette œuvre, mais je n'ai jamais eu la sensation que ça décollait comme ça aurait dû décoller. Ça reste classique, entraînant, mais rien de plus. Les animaux sont aimés par le cinéma, que ce soit dans l'envie de les défendre contre les affres du monde ou plus directement dans le besoin de les montrer à l'écran et d'en faire des héros d'une aventure hors norme qui pourrait donner lieu à un récit envoûtant, captivant, presque enivrant, si cela devait marcher. Ainsi, Fear Sherrock met en scène une histoire vraie assez folle, celle d'un gorille qui ne ressemble à aucun autre, pour un instant de cinéma qui sonnera très facilement pour beaucoup comme classique et comme simple, mais pour d'autres qui pourra sonner comme une aventure touchante et envoûtante, et certes, c'est du classique Disney pur et dur, mais au fond, cela reste prenant et entraînant de bout en bout. En termes d'écriture, donc à la base, c'est un bouquin de Catherine Applegate, basé donc sur une histoire vraie, écrit par Mike White. Mike White étant un scénariste que j'aime beaucoup. Peut-être parce que c'est le mec qui a fait Rock Academy, ce serait pas étonnant que ce soit ça, mais je trouve qu'ici, Mike White n'arrive pas à construire une narration, une dramaturgie qui brille plus que cela. On va dire que, on va en parler plus dans la seconde partie, mais il a beaucoup misé sur ses personnages. Il a fait en sorte de créer des protagonistes qui soient très attachants, qui aient chacun leur petit caractère, et c'est ce qui fait la sève de chacun de ses scripts. Si vous regardez la plupart des scripts qu'a écrit Mike White, les trois quarts du temps, ce qu'on retient de ses longs métrages, ça n'est pas l'histoire, ça n'est pas le but des protagonistes, ça n'est pas la forme de la narration, ce sont les personnages qui ont ce petit truc en plus qui fait que on les garde à la fin de la séance. Et ici, en termes de pure écriture, le film est souvent très simple. C'est-à-dire qu'il y a rarement des grandes montées en tension, il y a rarement des grandes ambitions de construction de scénographie ou de juxtaposition des différentes actions des personnages. C'est simplement un auteur qui se dit, j'ai des personnages qui sont attachants, pourquoi est-ce que je créerais grand-chose de plus? Et j'ai pas envie non plus de l'assassiner pour ça, parce qu'il s'est tellement investi dans la composition de ses protagonistes et dans leur évolution au fil de l'avancée du récit, que du coup, on se laisse de manière très plaisante embarqué par cette histoire. Et à aucun moment, j'ai eu la sensation que les protagonistes ne suffisaient pas à dynamiser le récit. Ils arrivent à dynamiser le récit rien que par leur présence, par leur caractère et par leur prestation. Mais du coup, ça remet un petit peu en question le fait que derrière, Mike White, il n'a pas écrit grand-chose en fait. Il a réussi à créer des bonnes bibles de personnages, mais il n'a pas vraiment réussi à les mettre en forme au sein de son écriture.
Mike White est un scénariste que j'aime beaucoup, car même si son travail d'auteur est parfois un tantinet classique, il n'en reste pas moins un scénariste non seulement à l'origine de Rock Academy, mais simplement un auteur attachant dans sa démarche de constamment développer une certaine forme de bonté chez ses personnages. Soyons sincères, cela reste une œuvre cliché, grossière et facile dans sa composition. Mais dans la construction des différents protagonistes et dans leur évolution au fil de l'avancée du script, on sent que l'écriture se tient, nous passionne, nous emporte et nous touche avec une grande sincérité, de bout en bout de cette aventure simple, mais touchante. En termes de mise en scène, Fia Sherrock, dont le dernier long métrage en date était Avant toi, qui est une œuvre que j'avais trouvée déjà très classique lorsque je l'avais vue en salle, et dont je garde très peu de souvenirs si ce n'est la prestation de Emilia Clarke, disons que sa mise en scène ici démontre que elle arrive bien à se mixer avec les genres qu'elle choisit d'aborder. Mais il n'y a pas grand chose de plus qui ressort. C'est le gros souci, c'est que j'ai la sensation, et alors c'est terrible à dire parce que vraiment c'est un enfer si jamais on part dans cette direction-là, en sachant que Disney domine quand même une grosse majorité du marché cinématographique américain. J'ai pas l'impression que les auteurs s'éclatent à réaliser des œuvres pour Disney. C'est triste à dire, mais là, on est vraiment sur un long métrage où Fia Sherrock, elle a vraiment conçu la mise en scène la plus simple du monde. Il n'y a pas de moment où il y a un brio de construction scénographique, il n'y a pas un moment où la mise en scène décolle, il n'y a pas un moment où la réalisation est flamboyante, il n'y a pas un plan vraiment iconique qui marque le spectateur. C'est un peu triste à dire, mais vraiment, le film, il est assez plat en termes de composition. Le seul truc qu'elle arrive vraiment à dominer, c'est l'émotion, mais je trouve que c'est beaucoup complété par la musique. Mais sinon, en termes de pur développement cinématographique, le long métrage est quand même assez terne et assez classique. Et le mot classique ici est péjoratif malheureusement. Il n'est pas comme on pourrait dire avec un Clint Eastwood, la mise en scène elle est classique dans le sens où elle a ce vieux côté hollywoodien. Non, là elle est classique dans le sens où elle fait son taf, mais il n'y a rien qui décolle derrière. Et personnellement, j'ai pas la sensation de voir une auteure s'emparer du sujet. Elle le met bien en relief par le biais de l'émotion, mais il n'y a rien de plus. Sherrock ne brille pas par son brio de création et de conception de la mise en scène, et franchement, pour le coup, on a un peu de mal à la reconnaître, mais comme j'ai l'impression que c'est souvent le cas aujourd'hui dans la plupart des productions de Disney qui ne cherchent qu'à sortir directement sur Disney+. Restons honnêtes avec la cinéaste américaine, elle s'en sort tout de même assez bien, en parvenant à rendre le récit particulièrement dynamique et prenant de bout en bout sans avoir besoin d'en faire des caisses ou d'appuyer un peu trop son émotion, et en ce sens, je ne peux que reconnaître qu'elle cherche à nous attacher le plus possible à son aventure, quitte à peut-être devenir un peu trop classique dans sa forme. En termes de casting, personnellement, Ariana Greenblatt, qui joue la petite fille, est peut-être l'une des prestations que je retiens le plus de ce film parce que elle arrive plutôt bien à s'en sortir. Ramon Rodriguez est pas fou dans le rôle de George, mais il s'en sort à peu près bien, ça se tient. Bryan Cranston, c'est ce que j'évoquais un peu au début, je trouve qu'il arrive à être attachant, mais il se donne pas à fond comme on a pu le voir sur d'autres prestations, et du coup ça ressort pas hyper bien, sa prestation elle marque mais sans plus. Je trouve qu'au niveau du casting vocal, Danny DeVito, Hélène Mirren, Angelina Jolie, Ron Funches, Chaka Khan, ils s'en sortent pas trop mal sans forcément avoir l'impression de décoller plus que ça. Disons que Danny DeVito, lui, je l'ai trouvé vraiment marquant parce qu'il a un personnage qui est plutôt attachant et puis sa voix, elle a quand même du coffre, c'est assez impressionnant, mais quand on l'entend, ça marque. Mais voilà, et il y en a un que je retiens plus que les autres parce que c'est un acteur que j'aime beaucoup et je trouve qu'ici il apporte beaucoup au personnage et je trouve en plus qu'il s'est plutôt bien fondu dans la peau de Ivan. Le doublage est fantastique dans son ensemble et si je devais retenir une performance, je prendrais bien évidemment celle de Sam Rockwell sans le moindre doute, l'acteur apportant beaucoup au héros de cette aventure par une prestation vocale très juste. Au bout du compte, le seul et unique Ivan, honnêtement j'ai pas passé un mauvais moment. Je sais que j'ai dit beaucoup de choses qui sont assez négatives dans la partie facecam, mais gardez en tête que c'est quand même une œuvre qui a un scénariste qui s'est vachement investi dans la construction des personnages, donc du coup on est attaché à ceci. On a une réalisatrice qui peut-être n'arrive pas forcément plus que cela à ressortir de sa composition de la réalisation, mais qui arrive quand même à faire transpirer une certaine émotion par le biais de son cadre. Et on a quand même des doubleurs qui, même si dans l'ensemble sont assez simples, arrivent à faire ressortir les personnages. Donc même si le seul et unique Ivan de Fia Sherrock est une production Disney hyper convenue et hyper classique, on reste tout de même entraîné par le délire. Donc pourquoi pas. Pas une œuvre flamboyante, c'est une œuvre qui fait son taf,
mais qui a tendance à un peu, voilà, c'est mon souci, dire aux auteurs, faites le minimum syndical, ne transpirez pas trop, faites en sorte que ce soit le plus consensuel possible. Ça, je réprimande complètement. Mais en tant que film, ça se tient et on se laisse emporter. À plus!